Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite. Donc en ce moment ma chaîne, si je sais pas si vous avez vu, est un peu bizarre. Je suis dans les 92, après je passe à 76, je sais pas ce qu'elle a ma chaîne. Je sais pas si je me suis fait hacker d'ailleurs. Mais bon, passons à autre chose. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch. Bon, c'est un glitch un peu drôle à faire, mais qui va un peu vous servir un peu à rien, ou voilà, faire découvrir des choses. Donc en gros, je savais faire ce glitch, mais genre pour aller derrière la zone. Mais sauf qu'il a été patch, alors je me suis dit, mais j'ai pas essayé d'ailleurs sous lui. Donc là, vous allez rendre où je suis. Voilà, une fois où vous êtes où je suis, bah, je sais pas ce que je suis derrière. Vous allez poser une plaque à côté de celle que j'ai déjà mise, c'était pour me repérer, voilà. Et là, vous allez poser un truc qui va vous faire respawn. Et donc là, vous mettez un plat derrière et un escalier, vous comprendrez par la suite. Vous mettez un appareil. Ah oui, par contre, faudra pas qu'il y ait d'autres appareils à d'autres endroits, parce que sinon, il va détecter le glitch. Et même si vous êtes par exemple dans l'équipe 1, que là vous avez mis équipe 1 et alors que là-bas c'est l'équipe 2, il va vous faire spawn sur le truc de l'équipe 2. Pour pas que vous ayez sur le glitch. Donc tous les autres sauts, vous les désactivez pour pas que vous puissiez y aller. Là vous acceptez tout, vous suicidez. Et là, miracle. Miraculous. Parce qu'en gros, je vous explique, quand vous serez dans le glitch, vous pourrez pas poser de plat et d'escalier. C'est pour ça que vous avez mis un plat et un escalier derrière pour les copyrights. Alors que s'ils auraient été de l'autre côté, vous n'auriez pas pu les copyrights. Donc voilà, donc là vous êtes là. Sous la map. Et donc ce qui est chiant, c'est que vous pouvez pas tirer dans ce glitch, voilà. Et vous ne pouvez pas non plus mettre des tourelles et se mettre dessus. Donc je pense qu'ils ont un peu patché le glitch. Moi franchement, je l'ai découvert en faisant ça, mais derrière la zone. Quand j'ai voulu le faire, ils ont encore sorti une mise à jour, putain. Et j'étais allé carrément sur une autre île et tout. Comme un con, je suis sorti, donc je me ressuscite. Voilà. Et vous allez voir, il y a un truc un peu bizarre dessous. Vous allez voir. Donc ce truc, c'est la machine. C'était avant, quand vous pouvez pas modifier les trucs de l'île, et ben il faut aller sous l'île pour passer un de vos potes modeur pour qu'il puisse vous aider à construire. Mais maintenant, on peut le faire directement en faisant option mon île et voilà. Accepter tous mes amis en tant que modeur, je crois que c'est. Donc là, regardez, je vais essayer de poser une tourelle, j'essaie de me mettre dessus, il va me faire descendre direct. Et avec l'arme, là, j'essaie de tirer depuis tout à l'heure, il n'y a rien qui se passe. Donc là-bas, vous allez par là-bas, et là, vous allez voir une sorte de chiotte, mais ça, c'est un ordinateur. Ouais. D'ailleurs, ça met plein de trucs et tout. Et quand vous vous mettez dessus, donc là, vous pouvez pas modifier, faut que vous soyez dessus et que vous vous posez. Vous pouvez modifier, et en gros, ça vous met le truc du jeu, mon île. Non, c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi d'ailleurs il nous mis là. Ça sert complètement à rien. À moins qu'il y ait un ou deux paramètres en plus qu'on peut pas avoir dans mon île. Bon, je vous laisserai faire vous. Bon, moi sur ce, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, voilà. Et moi je vous dis, on se retrouve pour une... Ah oui, d'ailleurs, attendez, avant qu'on se quitte, sur ma chaîne, il y aura des vidéos. Il y aura d'abord ma vidéo Broforce, puis une vidéo de glitch. Une vidéo de glitch sur Call of Duty, puis le montage de mon imprimante 3D, puis une impression de ma imprimante 3D, puis après je sais pas ce qu'il y aura. Ça c'est les vidéos que je vais pas tarder à sortir. Donc moi sur ce, je vous dis que j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, et tchuss tout le monde, allez, tchuss.